Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo tuto où je vais vous apprendre de façon extrêmement simple à réaliser votre Brigid Cross, votre croix de Brigid, hein. C'est le symbole emblématique pour la fête de Imbolc. Imbolc qui est le premier sabbat de l'année calendaire où on fête tout simplement notre renaissance dans la lumière, on fête la veille du printemps. C'est également le signe du nouvel espoir puisqu'on commence à sortir un petit peu de l'hiver. Donc du coup, certaines choses commencent à renaître également. Et on fait donc la croix de Brigid puisque Brigid est une déesse très importante avec une multitude de facettes, avec tout autant moult de pouvoir puisque c'est la déesse de la forge, du foyer, c'est la protectrice des animaux, de la nature, c'est la mère aimante et bienveillante. Bref, c'est vraiment une déesse qui est très très importante et qui est vénérée surtout dans les pays anglo-saxons. Pour vous dire à tel point que Brigid, son culte était important, c'est que lorsque l'Église est arrivée pour christianiser les pays celtes, eh bien, ils ont été obligés de sanctifier cette déesse pour en faire une sainte que vous connaissez tous aujourd'hui, hein, Sainte Brigitte tout simplement. Eh bien, sachez que Sainte Brigitte n'a strictement rien à voir avec la Bible, avec Dieu, avec tout ça, puisqu'il s'agit de la déesse païenne Brigid tout simplement. Brigid, vous pouvez également la retrouver dans le vaudou, puisque c'est l'épouse du baron Samedi ou de Papa Legba. C'est Maman Brigitte pour ceux qui connaîtraient un petit peu le vaudou. Et là, donc, je vais vous apprendre à réaliser donc la croix de Brigid hein, qui ressemble à ça. Alors là, c'est une version plus petite. On va faire vraiment la version traditionnelle. Vous allez voir, c'est très très simple. Juste ce qui peut représenter un peu un challenge pour trouver le matériel, ça va être pour tout ce qui est le jonc. Alors, vous pouvez en trouver assez facilement si vous avez des petits cours d'eau près de chez vous, ou même des fois sur les routes, dans les fossés. Si vous avez un fossé avec un petit courant d'eau qui passe, vous pouvez trouver facilement des herbes comme ça. Ça ressemble un peu bah, à des grandes herbes. Ça ressemble un peu à de la ciboulette. Voilà. Ça ressemble un peu à de la ciboulette, mais version très grande. Vous pouvez également utiliser d'autres types d'herbes. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, utiliser du rotin ou de l'osier. Attention cependant, si vous prenez du rotin ou de l'osier qui est déjà sec, hein, par exemple pour tresser des paniers, des choses comme ça, j'ai peur que ça soit pas forcément idéal, à moins que vous essayiez de le mouiller, peut-être pour le ramollir, parce que vous allez voir qu'il va falloir plier les brins, donc il faut une herbe qui puisse se plier facilement sans se casser. Donc à vous un petit peu de voir ce qu'il y a près de chez vous. Mais en principe, les herbes comme ça, vous pouvez utiliser des roseaux, des petites herbes hautes comme ça. Ça se trouve assez facilement. Dès que vous avez un point d'eau, que ce soit un petit lac, une petite rivière, n'importe quoi, vous marchez un petit peu, vous en profitez pour vous balader, pour vous promener et vous oxygéner les poumons. Et vous regardez si vous avez des petites herbes comme ça et vous en ramassez. En termes de quantité, il vous faudra 28 brins. Pourquoi 28 brins? Parce que traditionnellement, on fait 7 nœuds, vous allez le voir. Donc là, j'en ai que 3 sur cette version petite. Mais on fait en principe 7 nœuds pour la croix traditionnelle. Vous êtes bien sûr libre d'en faire plus, d'en faire moins, hein, c'est comme vous voulez. Donc pour cela, il vous faudra au total 28 brins pour en avoir 7 de chaque. Pareil, plus votre jonc, plus votre tige va être longue, et plus ça vous fera une grande croix. Plus elle sera petite et plus ça vous fera bah, forcément une croix un petit peu plus petite. Là par exemple, celle-ci, elle doit faire environ, je sais pas, peut-être 18 cm de diamètre, et j'ai utilisé des herbes qui devaient faire bah, le double, quoi, 40. Bah oui, c'est logique puisqu'on les plie en deux. Allez, on y va tout de suite. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre tout d'abord une tige que vous prenez, vous la gardez bien droite. Alors, si possible, vous prenez une tige qui soit la plus droite possible, qui soit assez résistante. Voilà, celle-ci, elle est un petit peu épaisse, c'est parfait. Puisque celle-ci, on ne va pas la plier, on va la garder droite. Et ensuite, vous prenez un autre brin que vous allez venir plier en deux, mais pour cela, vous pincez tout simplement, vous voyez, avec mon pouce et mon index, vous pincez comme ça pour pouvoir plier facilement sans que ça puisse se casser. Vous voyez?
Je vais vous approcher un petit peu plus près de la caméra. En pinçant, on voit que ça fait un peu comme une paille. Hein. C'est le même principe. Oui, d'ailleurs, pourquoi pas. Vous pourriez même la faire avec des pailles à boire. Bon, c'est pas très traditionnel, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et ensuite, votre brin, tout simplement, vous allez donc le passer sur votre brin principal. Vous essayez de vous centrer bien au milieu. Et donc, il faut que vous soyez comme ça, avec votre brin droit et l'autre qui est plié comme ceci en deux. Voilà. Ensuite, vous prenez un autre brin. Pareil, vous répétez la même opération. Vous le pliez avec vos doigts. Et ensuite, vous allez le passer comme ceci par-dessus l'autre. Alors, n'ayez pas peur de serrer un petit peu. D'accord? Donc, je vous montre. J'essaye de ne pas aller trop vite. Vous faites en sorte de toujours tenir votre brin pour éviter que... Bah que ça se casse la figure. Et puis pareil, vous réitérez, vous prenez votre brin environ au milieu, vous passez ensuite, pareil de l'autre côté. C'est un peu le même principe que les Scooby-Doo, mais version plat. Vous tournez votre croix. Alors si jamais ça gondole, n'ayez pas peur d'aplatir un petit peu. Et on continue comme ça. On reprend notre brin. On appuie, on le passe, et voyez, ça commence tout doucement à se tresser. Vous maintenez, on continue, on en prend un autre, on plie, on passe. Et on continue ainsi de suite. À chaque fois, vous maintenez bien fermement avec vos doigts pour éviter que tout parte. Et puis vous resserrez à chaque fois. Je vous ai dit, hein, c'est un peu le principe des Scooby-Doo. Hop. On continue. Vous avez, je pense, compris le principe. Maintenant. Prenez votre temps, hein. C'est une activité détente, une activité loisir. Voilà. Et n'hésitez pas à chaque fois de bien resserrer, puisque lorsque votre croix va sécher, vous allez avoir les herbes qui vont se rétrécir. Vous réajustez au fur et à mesure pour que vous ayez un centre qui soit bien tressé. Vous voyez, et là, donc on a notre croix qui commence à se former toute seule, hein, naturellement. Donc vous voyez que c'est vraiment pas compliqué à réaliser. Et donc, vous l'aurez compris, ainsi de suite, et on va faire donc tous nos petits roseaux. Ce que je vais faire, je vais marquer une petite pause, et on se retrouve quand j'aurai fini de tresser, d'assembler les roseaux. Je vous montrerai ensuite, avec tout simplement de la ficelle, on va faire des petits nœuds, et puis voilà, hein, c'est tout. Allez, à tout de suite! Allez, on se retrouve, il me reste que deux brins à poser. J'avais envie de le faire du coup avec vous. Alors, 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. C'est bon, 2, 4, 6. Voilà, c'est ça. Donc, si vous avez bien fait votre compte,
normalement, avec vos 28 brins. Alors, je vous recommande quand même d'en prendre une trentaine, au cas où. Hein, au cas où que, il vous arrive un petit accident de parcours, que vous en cassiez une. Prenez pas 28 brins, prenez un petit peu plus. Donc, mieux prendre même 35, comme ça, si vous en cassez 2 ou 3, il vous en restera suffisamment. Donc, 2, 4, 6, 7. Et en toute logique, le dernier. Et voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment pas difficile. Juste, voilà, c'est le départ qui est un petit peu complexe. Mais une fois que vous avez compris la technique, hein, il y a vraiment plus rien de compliqué, quoi. Donc là, c'est le moment où on va un petit peu tout resserrer. Donc si vous avez fait votre travail comme il faut, on peut voir que le nœud au milieu est bien tressé. Et maintenant, on n'a plus qu'à tout simplement venir fermer. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de fermer celui-ci, celui où vous avez posé le dernier brin. Puisque tout le reste, vous voyez, ça tient tout seul. Donc venez ficeler tout de suite celui que vous avez. Alors, pour gagner du temps, pareil, si vous êtes tout seul, prédécoupez vos petites ficelles. Ça vous fera gagner du temps. Et surtout, ce sera plus pratique, parce que quand on est tout seul, bah, pour à la fois tenir la croix et couper, c'est pas forcément pratique. Alors attention avec votre ficelle à ne pas serrer trop fort, serrez suffisamment pour bien fermer votre croix. Mais ne serrez pas trop fort parce que vous risqueriez de couper vos herbes. Et du coup, ce serait bête parce que ça vous ferait perdre de la longueur. Et je me suis coincé, voilà. Voilà, tout simplement. Vous faites ça ensuite pour les autres. Alors, si le cœur vous en dit, moi j'ai préparé du raffia pour faire quelque chose de plus fini et de plus joli, mais vous êtes libre de pouvoir mettre du ruban si vous voulez mettre du ruban, vous pouvez mettre de la grosse ficelle, bref, vous mettez ce que vous avez envie de mettre. Et pour la petite histoire, il faut savoir donc que la croix de Brigid, c'est un puissant talisman qu'on met principalement au-dessus des portes d'entrée, qu'on peut mettre aussi devant sa maison. C'est vraiment un talisman fait pour protéger et c'est également un outil pour se connecter avec tout ce qui est divin. Divin positif, je précise. C'est vraiment c'est un symbole qui est très fort, qui est très puissant. Presque aussi puissant que le pentacle, j'ai envie de dire. Alors presque pas aussi puissant, parce que la croix de Brigid est moins connue, elle est surtout connue dans les pays anglo-saxons. Mais tout de même, c'est un symbole qui est assez fort. Voilà, donc là, notre croix est terminée. Maintenant, ben, il ne nous reste plus qu'à la décorer, donc en mettant un petit peu de raffia, comme je l'ai dit, là, à la place de la corde. Donc moi, c'est ce que je vais faire là tout de suite. Je vais vous montrer ça. Je ne vais pas vous montrer pour tous les angles, hein. Vous aurez compris. Bon, comment ça se défait, cette affaire? Je sens que ça va m'agacer, ce truc. Bon, voilà, c'est bon, j'ai pas de patience là. Je sais pas comment il est fichu cette affaire. On prend un bout, ça sort pas comme il faut. Regardez ça, regardez ça. On prenait un bout, ça sort partout et nulle part à la fois. Ah bah parfait, il s'est coupé, lui, impeccable. Allez. Allez, on va faire un truc joli. Alors, vous faites attention avec le raffia, hein, c'est pas de la ficelle, donc vous serrez pas à fond, c'est surtout pour décorer.
Voilà, on va se garder un pot comme ça. Pareil, hein, vous êtes libre aussi de mettre de la couleur, surtout que là, nos herbes vont sécher. Avec le temps, elles vont prendre une teinte un peu couleur paille, un peu couleur blé. Donc si vous voulez mettre de la couleur, surtout n'hésitez pas. Pour prévoir le coup, hein, si vous voulez pas quelque chose qui soit trop ton sur ton et que vous voulez faire une couleur. Et voilà, ensuite on n'a plus qu'à couper. Tac. Pour que ce soit plus joli, on va venir un petit peu égaliser les bouts. Voilà. Et ensuite, on fait ça donc pour tout le reste de la croix. Donc je vous remets une petite pause. Pareil, hein, vous aurez compris le principe puisqu'on va faire exactement le même. Et on se retrouve donc pour la fin pour contempler notre belle croix. Et voilà les amis, notre croix de Brigid qui est enfin terminée. Donc comme vous pouvez le voir, ça m'a vraiment pas pris longtemps. Ça a dû me prendre quoi? Bah, quasiment le temps de la vidéo. Hein. Allez, on va dire une grosse demi-heure. Vous avez vu que c'est très simple à réaliser. Il faut vraiment pas grand-chose comme matériel. Et surtout, ça vous fera un beau talisman et une belle croix à mettre sur votre autel, à mettre au-dessus de votre porte et à garder toute l'année, puisque de toute façon, la croix va sécher en plus. Donc vous pourrez vraiment la conserver hein, si vous faites attention. Il n'y a pas de raison que vous ne la conserviez pas toute l'année jusqu'à Imbolc prochain. Allez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos créations. Hein. Vous m'envoyez vos photos par mail ou sur Facebook. Je créerai un petit post là-dessus. Vous me partagez vos petites croix pour voir votre travail et je ferai un petit montage et je ferai une petite vidéo pour montrer toutes les créations de chacun. Allez, sur ce, je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos. Gros bisous à tous.